En ce dimanche 22 mai, au mouillage à la mèche, avec Séverine, Lydie et Thierry, on passe du bon temps. Super. C'est paisible, il y a 2 nœuds de vent, donc rien du tout. On a l'impression que c'est très très calme. Mais il y a un courant de folie. Et donc on est obligé de s'accrocher pour se baigner à un cordage. Voyons voir ce courant. Ouh, même l'échelle ne tombe pas. C'est hyper impressionnant. Il doit y avoir au moins 3 ou 4 nœuds de courant. Impressionnant. Impressionnant. C'est mis à l'eau en cordée, bien sûr, en nageant au maximum du crawl, au mieux sur place. Donc s'il n'y a pas de cordage, le gars qui plonge, on le retrouve à la palmière. Alors, plage de la Mèche, mouillage. Le bateau ne bouge pas d'un poil. On ne voit pas du tout le courant, comme ça. Mais regardez la puissance du courant. Oh, c'est trop bien. Vas-y, donne-moi un peu de mou. Encore. Vas-y, encore. Oh, c'est trop bien. C'est agréable. Là, j'ai se retrouver à Royan là-bas. Et là, le nœud il s'en va. Attends, la vague que ça fait. Moi, je referai après, comme ça, pour bien me lâcher aussi. Ça te fait thalassothérapie. Balnéo. Eh, elle a confiance, hein. Ah ben oui, elle sait qu'on va attendre là. On dirait que le bateau il avance. Ah bah ben ouais, là. Si le cordage lâche, par contre, et on est mal. Et pas ton cordage, Lydie. Ça se mouille les cheveux et tout. Tu fais gaffe au nœud, hein. Tu touches pas le nœud. Hein. Ne touche pas le nœud. Touche pas le nœud, Lydie. Attends, la vague que ça fait. Ah ouais, bien. C'est impressionnant. Ah, c'est bon, là, bon. C'est bon, quoi? Hein? Tu restes? Ouais. Je vais faire une petite vidéo. Tu vas accrocher? Hein? Tu as accroché quelque part, hein? T'as accroché où? T'as accroché par Thierry, regarde. Ah, reste un peu de mou. Oh, essaye de nager, tu vas voir. Ah, hein? Trop bien. Nage. J'entends rien. Nage. Elle est sourde, Lydie, en fait. Je sais pas, c'est le courant. Non. Nage le crawl. Nage le papillon. Et le star en village. Fais des sauts au-dessus de l'eau. Et en fait, elle s'en rend pas compte, mais elle a perdu son maillot de bain avec le courant. Lydie, t'as perdu ton maillot de bain. Ah, ça risque pas. D'un poil. Ah là, elle entend là quand même. Hein. Ça tire pas, mon gars. Bah, tire pas. Ah, mais non, mais attends. Faut que je te tienne. Hein. Alors, donc, le courant, comme on disait. Donc, Séverine, tu es bien accrochée? Tu vas prendre la vague, tu vas prendre la vague. Le nœud de chaise est bien fait. Il y a un gros bateau qui arrive. C'est vrai? Ah oui, je vais attendre la vague. Il y a un gros bateau qui arrive. Dans le dos? Ouais, regarde. Non, mais ça va aller. Il y a un coup de soleil après. Allez, trésor. On y go. C'est hier que j'ai pris le coup de soleil, ouais. Attends, avant de lâcher, hein, trésor. Voilà. Hop! Allez. On vérifie que ça tient bien. Vas-y, tiens la corde. Voilà. Tu veux aller jusqu'où? Ah oui, c'est pas. Ah, arrête. Ferme ses yeux. Je vais me tourner comme les dit vers le dos. Comme ça. Oui. Il y a un peu moins de courant alors. Laisse-toi aller. Attends, laisse-moi.
Attends, laisse-moi. Oui, parce que c'est vrai, quand on est comme ça, on dirait que vous tirez. Mais en fait, c'est vraiment. Ah non, c'est pas, non. Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. Ça, tout à l'heure, je te disais, laisse-moi du loup, mais en fait, il y avait déjà le tour. Ça fait du bien. Je lâche tout, Séverine. C'est vrai, on a tout lâché. Faut que tu reviennes toi, toute seule, en tirant sur le cordage. Allez. 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 Vu, on dirait vraiment que le bateau il traîne quoi, alors qu'il bouge pas. Ah, la corde elle est tombée. C'est un truc de fou. Ah ouais. Ouais, par contre c'est vrai, faut pas lâcher la corde. Hein. En plus elle est vieille celle-là. Faudra faire gaffe quand même. On va mettre Thierry, ça se trouve, il va la casser. Tu devrais vraiment retrouver la palme. Bien, ça fait les bras, ça. Hein, ouais, super. Tu pourrais battre des jambes pour t'aider. Hein, Séverine? De quoi? Tu pourrais battre des jambes pour t'aider. Ah ouais. Franchement, c'est stressant, je trouve, moi. Après, je vais pas remonter. Bon, et eh bien voilà. Accroche-toi à l'échelle maintenant. Accroche-toi à l'échelle. Bon, ça va les filles? Ouais. Ça y est, c'est l'heure de prendre des coups de soleil. C'est l'heure du bronzing. Ouais, c'est ça. Du bronzing. Ça sent le coup de soleil à mort. Non mais pas longtemps. Vous avez mis de la crème ou pas? Oui. Je te raconte pas le nombre de vues que je vais avoir. Avec... Bon Thierry. Tu fais le montage après? Ouais, je fais le montage. Thierry. Oui. Tu vas te baquer? Après moi. Pas tout de suite? Non. Quand ça se calme le courant? Ouais. Ah. Et pas fou. Courageux mais pas téméraire, hein. Oh franchement, tu peux être en confiance, hein. Oui. J'aurais aimé te filmer moi, c'est dommage. Quel dommage! Mais pas tout de suite! Et voilà! Voilà, on est reparti du mouillage. Thierry à la barre. Cette magnifique côte charentaise. C'est joli. Je crois que c'est la plage des nonnes. Ça va les filles? On travaille encore ces coups de soleil? Ah, non, on est pas obligé de poser là. Oh là là, la baraque. Joli. Bon, tout au moteur, hein, puisqu'il y a zéro vent. Là, la maison là-bas avec le toit bleu là, bleu clair, à gauche. Ah là, ouais, c'est super. La lumière blanche, elle est pas mal. Je sais pas si on la verra. Week-end au moteur. C'est vraiment magnifique ces falaises. Juste avant Méché. Ah ouais, creusé là. Avec les cabanes de pêcheurs là et les petits escaliers dans la falaise pour y descendre. Magnifique. Bon. Je l'aurais pas fait à la voile, mais là, au moteur, ça vaut le coup. Bon, ça va Thierry? Voilà. Le cap est bon? Le cap est bon à 115. 32 mètres de profondeur. Voilà. Et 3 nœuds. On est bon! On est bien! Et voilà, nous arrivons dans la baie de Méché. Ça, c'est l'entrée du port de Méché qui là est à sec.
ça découvre total. C'est l'estran là. Là, c'est de la vase. Personne sort, personne rentre. Toujours avec ses cabanes de pêcheurs. Magnifique. Donc c'est là-bas, Méché. Ouais. Et la baie. Ouais. Ah ouais. Bon. Ouais, on va faire demi-tour, on va faire ça comme ça là. On va faire comme ça là. Bon, et ben nous voilà à la voile. Enfin, le vent s'est levé. On va rentrer à la voile. Ça c'est bon.
Bon, la petite arrivée au port, petit nœud devant travers, bien sûr. Bon, je pense que ça va bien se passer. Travers tribord quand je vais arriver sur ma place. Quand j'ai pas de bateau à côté, bien sûr, ça me fait bien. Et il y a un peu d'eau qui est à mon bâbord. C'est un peu pénible. C'est moi qui descends.